Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Du 20 au 27 juin aura lieu en France la première semaine des plantes mellifères, une initiative de Valor, les professionnels du végétal. 8 jours pour sensibiliser les consommateurs à la cause de l'abeille, mais également pour promouvoir la production française. Préambule de cet événement, lors du salon Jardin-Jardin aux Tuileries, sur le stand Poème, conçu par le paysagiste Michel Pena. L'association des journalistes du jardin et de l'horticulture, qui fête cette année ses 50 ans, s'y est associée à Valor pour mettre à l'honneur quelques 120 plantes mellifères, comme l'explique Benoît Ganem. L'interprofession portait le sujet mellifère et on s'est dit, mais bon, un jardin mellifère, un jardin-jardin, ça fait sens. Et du coup, on a tout de suite épousé la cause avec la JJH pour réaliser ce jardin mellifère. Il y a 120 pots, 120 plantes. Installer des plantes mellifères dans son jardin, sur sa terrasse et son balcon sert la cause des abeilles. Leurs populations sont en déclin partout dans le monde. C'est toute une filière professionnelle qui se mobilise autour de l'abeille et des autres pollinisateurs. Quand on voit le déficit aujourd'hui de ruches, c'est la chaîne alimentaire qui se cache derrière cette question de pollinisation. Donc c'est un vrai sujet sociétal, mondial. D'accord ? Et je pense qu'on a sur notre marché, à contribuer, à porter la cause. Et c'est dans cet esprit qu'on a lancé cette semaine mellifère, mais surtout aussi pour mettre en avant la production française, parce qu'aujourd'hui, on a une production de plantes mellifères qui existe, mais qui souvent n'est pas identifiée. Notre volonté, c'était de mettre en route notre filière, de la production à la distribution, pour qu'il y ait une mobilisation perçue par le consommateur, perçue par le client final, sur la cause de l'abeille et des plantes mellifères. La mayonnaise va prendre, hein, j'espère, d'année en année. Vous savez qu'on a lancé la traçabilité de l'origine du produit avec Fleur de France. On a une production en France qui est un peu en souffrance. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière, au travers d'une liste officielle des plantes mellifères, validée scientifiquement, à la fois par le conseil scientifique de la SNHF, et y compris sous l'impulsion de France Agrimaire. Donc cette liste-là doit être le point de départ pour permettre à la production de mettre en avant la production française et les plantes mellifères, et ensuite dans le monde du paysage et dans le monde de la distribution, jardinerie, fleuriste, tous les acteurs de cette filière vont pouvoir, autour de cette semaine-là, j'allais dire, le traduire en animation commerciale.